Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la rubrique Profil Hebdo, yon condensé actualité semaine. N'ap démarré ak mache change lan pour nous faire connaître tout référence BRH la pour journée 25 mars 2023, c'est 153 goud 66 17 pour yon dollar américain. Taux moyen acquisition, ça qui est le TMA, pour journée 25 mars 2023, d'après calcul Banque Centrale, tabli à 156 goud 96,72 pour yon dollar américain. Sous marché informel là pour journée 24 mars 2023, dollar américain était à 153 goud 75 à l'achat, d'après sa banque centrale fait qu'on est, et il était à 157 goud 25 à la vente. En dans banque yo, dollar était négocié à l'achat à 153 goud 60,29 et à 156 goud 96,72 à la vente. Goud la par rapport à peso dominicain pour journée samedi 25 mars là, c'est 2 goud 80,29 pour yon peso à l'achat et 2 goud 86,38 à la vente. En gade ensemble, qui j'en s'atteye sous marché matière première yo? Prix baril pétrole index WTI a baissé à 1,6% pour fermer journée vendredi 24 mars là à 69,26 $. En Haïti, 4,9 millions moun nan insécurité alimentaire grave et puis besoin assistance humanitaire urgent pour période mars rive juin 2023 d'après sa coordination nationale sécurité alimentaire CNSA non yon note pour la presse fait connait. Augmentation ça qui atteint entre 48% à 49%, c'est résultat augmentation prix qui gen rapport ak volatilité goud la kont dollar américain ak expansion violence gang ki pipli chaque jou paralyser activité économique nan zone métropolitaine ak lot département yo. Au moins 6,1% nan micro piti ak moyenne entreprise nan République dominicaine c'est haïtien ki possède yo d'après yon rapport Bureau national et statistique pays ya. Haïtien représente plus passé 70% parmi travailleurs migrants sous territoire dominicain et yo concentré surtout dans secteur économique agriculture 33,8%, construction 26,3%, commerce 16,3% ak hôtel bar ak restaurant 5,5%. Anissa, Nations Unies ak partenaires yo pral besoin 715 millions dollars américains pour aider plus passé 3 millions moun en Haïti. Quantité ça représente plus passé double ça yote réclamé année passée et plus grand montant depuis tremblement de terre 2010 là d'après sa bureau pour coordination affaires humanitaires OCHA t'est expliqué dans une note pour la presse qui t'est publié 18 mars 2023. Appel urgence a lancé dans cadre yon mission Nations Unies en Haïti. Secteur bancaire américain a stabilisé après dernier échec Silicon Valley Bank SVB ak Signature Bank d'après sa secrétaire trésor américain Janet Yellen te déclaré dans yon sommet mardi passé. En général, écoulement dépôt qui soti nan banque régionale yo est stabilisé. Après mezi autorité yo prend pour renforcer confiance à kwape contagion selon remak secrétaire. C'est là nous mettons yon bout à Profil Hebdo pour semaine ça. Merci parce que nous t'avons écouté. Rendez-vous cassé pour week-end prochain.